Yo, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, mais juste avant de commencer, n'hésitez surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube avec la petite cloche de notification. Je vous invite à tous entrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite en majuscule ou en minuscule. C'est la même chose et bien sûr, bonne vidéo. Mais comme tu peux le voir, j'offre des cadeaux sur Fortnite. Si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, que ce soit un skin, un planeur ou une emote, pour cela c'est vraiment super simple. Première chose, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube avec la cloche de notification. Une fois que tu as fait ça, le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite, hashtag AD. Une fois que tu as fait tout ça, tu dois juste mettre ton pseudo Epic Games PS4 dans l'espace commentaire. Et bien sûr, une fois que tu l'auras commenté, je viendrai t'ajouter tous les vendredis pour voir si tu as gagné ou pas un petit cadeau dans la boutique Fortnite. C'était FinTech. Je te souhaite une bonne chance et une bonne vidéo. Eh bien, salut tout le monde, c'est FinTech. J'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour ma part, vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite Battle Royale. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Et comme d'habitude, le plus important c'est de tous se rendre dans la boutique Fortnite et de faire la case soutenir un créateur. Et là, de tous rentrer le code créateur FinTech dans la boutique Fortnite. Cela me fait vraiment super plaisir. Hashtag AD, comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, il y a les deux nouveaux packs Eminem qui sont sortis dans la boutique Fortnite, et aujourd'hui je vais vous montrer comment les obtenir gratuitement, tous les packs de A à Z. Comme vous avez vu, le pack coûte plus de 2500 V-Bucks, mais grâce à la méthode que je vais vous présenter dans quelques instants, vous pourrez l'obtenir gratuitement. Et comme d'habitude, n'oublie pas le plus important, code créateur FinTechSBE, avant de commencer hashtag AD. Véritable, ce que vous allez faire, comme d'habitude, vous allez partir dans vos paramètres, et là tout simplement vous allez partir juste ici, et du coup dans recevoir des cadeaux, là vous allez activer la case. Alors là, c'est vraiment super simple. Là vous allez faire j'ai vu recevoir des cadeaux, là vous allez cocher oui. C'est vraiment super simple. Là vous allez partir dans la boutique de V-Bucks, et là vous allez acheter plus de 37 euros de V-Bucks pour 5000 V-Bucks. Là vous allez faire acheter, il y aura l'écran de paiement de votre plateforme qui va apparaître. Une fois que ça c'est fait, normalement vous allez repartir dans la boutique Fortnite. Là vous allez cliquer sur le pack que vous voulez acheter. Là j'ai fait obtenir V-Bucks, ça va me mettre dans la boutique de V-Bucks. Du coup là je fais acheter, et là ça me maintient le bouton. Comme vous avez vu, ça me ramène dans la boutique de V-Bucks automatiquement. Et du coup là je retourne au lobby de Fortnite. Je vais juste ici, et là je fais dans signalement, là je fais signaler un bug ou un joueur, là je coche cette case, là je fais signaler un bug, là je descends tout en bas, objet cosmétique, tenue planeur, emote, là je fais cet objet cosmétique dégrade les performances du jeu, là je fais cocher, là je fais refaire une capture d'écran, voilà, et là j'attends quelques secondes, là je fais continuer et accepter. Voilà, c'est vraiment super simple. Là vous allez attendre quelques secondes, envoie du signalement à Epic Games. Là, ce que vous allez faire, là, vous allez repartir, refaire un signalement à Epic Games. Mais cette fois-ci, vous allez désactiver la case de recevoir des cadeaux. N'oubliez pas de bien la réactiver juste après la méthode. Là, vous allez faire appliquer. Là, vous allez retourner dans la boutique d'objets. Là, vous allez cliquer sur le deuxième pack. Et là, vous allez faire obtenir des V-Bucks. Encore une fois, là, vous allez revenir dans le lobby de Fortnite. Là, vous allez repartir dans signalement, signaler un bug ou un joueur. Là, vous allez faire signaler un bug. Vous allez descendre tout en bas, boutique casier au salon. Les récompenses que j'ai obtenues n'apparaissent pas. Là, vous allez cocher la case. Les objets ou les V-Bucks que j'ai achetés n'apparaissent pas. Là, vous allez faire continuer et accepter. Voilà, c'est vraiment super simple. Là, vous allez envoyer deux signalements à Epic Games. Comme quoi, vous avez acheté des V-Bucks et vous avez acheté le pack. Et là, vous n'allez pas obtenir vos V-Bucks. Et là, ce qu'il vous reste à faire après, c'est juste de retourner dans vos paramètres. Voilà, c'est vraiment super simple. Là, dans recevoir des cadeaux, là, vous allez faire la case 8. Et simplement, là, vous allez faire le bouton retour. Là, vous allez retourner dans la boutique d'objets. Et ce qu'il vous reste à faire après, c'est juste de quitter le jeu et de relancer Fortnite. Une fois de retour sur Fortnite, comme vous avez vu, je viens tout simplement de recevoir le cadeau d'Epic Games. Dedans, il contient les différents skins que j'ai réclamés grâce à la méthode que je viens juste de vous présenter. J'ai obtenu tous les skins gratuitement de Eminem. C'était FinTech. Comme d'habitude, n'oublie pas de s'abonner à la chaîne YouTube, code créateur FinTech dans la boutique Fortnite. Allez, ciao tout le monde!